Et bonne année à vous. J'espère que cette année débute sur de bons auspices. Voici donc ce tirage, le message du mois de janvier pour vous. Et voyons voir ce que vous allez pouvoir en extirper pour pouvoir être aidé dans votre situation. Alors, on va commencer une première carte avec le tarot au chaud. Voilà. Une seconde. Ici, avec le Lightseers Tarot, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les noms des jeux, il faut aller voir la vidéo d'introduction où je vous dis tout concernant ce qu'il faut savoir. Et la carte conseil, la voie de résolution, l'issue, avec le Merry Christmas. Alors, on va démarrer. Pour vous, balance, la percée. La percée, dont je vais rapprocher un petit peu la carte pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle... J'espère que ça zoome bien, je ne vois pas trop. Vous voyez cette symbolique comme ça, où il y a quelque chose qui éclate, hein, c'est comme si elle passe à travers une vitre, un mur, mais dans le sens, je perce, je sors de ma coquille. On est sur le 11, le 11 de tarot, c'est la force. La percée, donc c'est vraiment cette émergence, c'est je sors de ma coquille, j'ai traversé l'obstacle, j'ai dépassé la difficulté, ça y est, je suis de l'autre côté, j'ai basculé, enfin j'émerge, enfin quelque chose se passe, mais j'ai dû y mettre beaucoup d'énergie, j'ai dû y mettre de la force précisément, j'ai dû y mettre beaucoup de moi, hein, cette personnage a les points, hein, bien fermée, en avant, j'y suis allée sur la force de volonté, hein, par la volonté, par la dynamique d'intention très forte. Presque, j'ai envie de dire, je me suis fait violence, j'y suis allée, mais j'ai percé, j'ai traversé l'obstacle, c'est fait, hein, c'est derrière, vous êtes normalement là où vous deviez être pour pouvoir quitter l'état stagnant dans lequel vous étiez. Alors, on va aller regarder un petit peu plus précisément. Le 6 de Pentacle, on est dans l'échange. Vous voyez, c'est deux mains comme ça qui partagent. Il s'agit pour vous, là, j'ai été capable d'aller au-delà de moi et de dépasser le besoin peut-être d'échanger, d'être soutenu. Alors, je vois dans l'échange, c'est le besoin d'être soutenu. Ou alors, j'entre dans le champ maintenant de cet espace où je vais dans la magie du 8. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Il y a quelque chose qui s'invite de cet ordre-là pour vous, là, dès janvier, sur cette nouvelle année, à être en capacité maintenant d'aller vers les autres. Alors, vous savez, des fois, on a des processus comme ça où on va de l'intérieur vers l'extérieur, où on travaille sur soi. C'est quand on a bien travaillé sur soi qu'on est en capacité d'aller vers l'extérieur avec plus de justesse. Si je ne regarde pas en moi ce que j'ai besoin de nourrir en moi, nourrir sa confiance, nourrir sa capacité à nourrir son écoute, l'écoute de soi, l'écoute de ses besoins, l'indulgence, la compassion, beaucoup d'éléments en soi, si je n'ai pas ce regard sur moi, avec tous ces éléments-là, je ne vais pas être en capacité de le faire pour les autres. Et c'est quand j'aurai bien travaillé en moi, à propos de moi, que je serai en capacité d'être dans le juste équilibre avec les autres, de donner aux autres autant que je me suis donné. Hein, c'est, attention, c'est pas donner aux autres autant qu'ils me donnent, c'est donner aux autres autant que je suis capable de me donner. Donc, je vous invite à regarder ici, dans ce message. Voyez ce que vous avez l'impression de ne pas recevoir. Est-ce que vous êtes capable de vous le donner à vous-même déjà? Hein, ça, c'est intéressant. Parce qu'ensuite, vous serez capable de le donner à l'extérieur. Et ensuite, dans le processus, hein, vous serez dans la réception naturelle. Hein, il y a un processus en trois temps. Même si ici on voit deux mains seulement, c'est le 8. Hein. Ben, le 8, il se décline intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On va aller regarder un petit peu la voie de résolution, le champ aussi de conseil. C'est les petites souris. Ne vous contentez pas des miettes ou ne soyez pas avare.
La souris ici, dans ce qu'on vient de voir ici, vous avez quelque chose à proposer au monde, vous avez quelque chose à vivre en relation avec le monde. Ne restez pas dans votre petit coin. C'est ce qui est invité ici. Moi, c'est comme ça que je le lis. Je serais intéressée de savoir qu'est-ce que vous lisez, comment vous le captez. Vraiment, c'est les petites souris, en général, restent dans leur petit univers. Elles se cachent, elles sont timorées, elles grignotent ce qu'elles ont à grignoter, puis se sauvent. Les souris peuvent représenter beaucoup l'avarice, par exemple. Ça peut représenter aussi la peur de manquer. Ça, c'est le conseil, c'est la carte conseil. Attention, ne pas revenir sur des travers. Vous voyez, elles sont deux. Il ne s'agit pas de rester entre vous, vous-même, vous et les gens proches. C'est cet échange ici vous invite au monde et cette nourriture intérieure vers l'extérieur. Bien, écoutez, c'est un très beau départ pour le mois de janvier, pour une nouvelle année. C'est un très beau départ. Vous démarrez sur les chapeaux de roue. Vous êtes déjà au bon endroit pour faire ce travail justement d'expansion. Moi, je le sens comme ça. C'est un travail d'expansion qui s'invite à vous. Voilà, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me faire un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on vous poursuivra comme ça l'aventure ensemble. Je vous dis à très bientôt, encore bonne année, prenez soin de vous.